Ayem Nour, Vincent Miclet s'est rendu à son chevet. Dans la nuit du mardi 17 au mercredi 18 février, le destin d'Ayem Nour bascule. Elle a tenté de mettre fin à ses jours. Transportée en urgence par les pompiers à l'hôpital américain de Neuilly, la jeune femme irait mieux. Dans son dernier numéro, le magazine People Public dévoile la raison pour laquelle Ayem a tenté de se suicider et révèle que son ex est venu lui rendre visite après avoir appris la terrible nouvelle. Le magazine Public avait rapporté qu'Ayem avait absorbé une grande quantité d'alcool et de médicaments, un mélange qui aurait pu lui être fatal. Celle qui avait évoqué bébé et mariage n'allait visiblement pas bien. Le couple qu'elle forme avec l'homme d'affaires Vincent Miclet est très discret. Rien ne laissait présager que leur relation battait de l'aile. Jerem Star avait rapporté qu'Ayem avait quitté précipitamment l'appartement dans lequel elle vivait avec son fiancé. On sait maintenant pourquoi Ayem a tenté de se suicider. À l'époque, elle confiait à Public « Pour être comblée, il me manque un enfant ». Une vision des choses que ne partage visiblement pas son compagnon Vincent Miclet, qui est déjà père de deux grands-enfants. Lorsqu'Ayem apprend le 24 novembre dernier, jour de son anniversaire, que son compagnon souhaite mettre fin à leur relation, c'est le choc. Elle avait d'ailleurs publié une lettre de détresse sur Twitter. Dure à encaisser pour l'ancienne star de télé-réalité. Elle sombrera petit à petit dans la déprime et tentera de mettre fin à ses jours. Aujourd'hui, Ayem sourit à nouveau et elle peut compter sur le soutien de celui qu'elle aime. En effet, lorsqu'il a appris la nouvelle, Vincent s'est précipité à son chevet. Ils passeraient de longues journées ensemble à discuter, à exorciser la peine. Le couple va-t-il se rabibocher ?